Hello tout le monde, j'espère que ça va. Moi, ça va. Du coup, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'avant, il y aura deux vidéos aujourd'hui. En gros, bah aujourd'hui, je vous retrouve pour faire un haul de mes habits que j'ai acheté mardi. Et aujourd'hui, j'ai que acheté un truc, mais bon, ça vaut cher quand même. Non, 70 euros quand même, donc voilà. Du coup, bah c'est parti. Générique! En gros, je vais vous expliquer. J'étais à la galerie Lafayette et tout à Strasbourg. Et puis, j'étais dans le stand de Levi's, on va dire ça comme ça. Et j'ai trouvé trois t-shirts. Et aujourd'hui, bah, j'étais encore là-bas et je me suis acheté une paire de sneakers. En gros, on commence par le basique simple, genre le Levi's blanc. Rouge, genre simple, je sais pas. Je l'avais pas encore, mais je jouais depuis très très longtemps. Donc, je suis trop contente de l'avoir. Donc, bah voilà. Genre, déplié, ça fait ça. Par contre, il est pas repassé. Je l'ai trouvé dans la corbeille à repasser. Voilà. Je l'ai pris en 14 ans. Donc, voilà. Genre, c'est simple, c'est un truc simple. Voilà. Puis j'ai pris un levis, il est vert, et là c'est violet, ça se voit pas, mais c'est violet, vert. En gros c'est un pull, non, vous allez voir de toute façon. On dirait pas comme ça, mais il est large, plus long, je l'ai pris aussi en 14. Là on voit un peu plus le violet, on dirait il est noir, alors qu'il est vert. Et en gros, on dirait il dépasse genre, il va... Il dépasse le bassin. Donc vraiment il est grand. C'est pas un truc petit quoi. Donc bah voilà. Donc là c'est une veste en jean. En fait j'en cherchais une, j'en avais plus. Donc à Louis j'en ai trouvé une. Et en gros là il y a de la fourrure. Attendez, je vais vous montrer un plus en détail. En gros là on a la veste. Et là ça se voit pas mais il y a de la fourrure. Voilà. Puis à l'intérieur, bah, c'est logique, genre basique. Genre comme ça, comme une veste en jean. Le seul défaut de cette veste, donc là on voit un peu plus la fourrure. Le seul défaut de cette veste, c'est que les poches, en fait, elles sont que là en haut, pas en bas, mais là en haut. Après, ça va, ça fait beau, mais en fait, c'est en haut. Mais ça pose pas problème. En printemps et tout, je mets pas souvent mes mains dans les poches. Voilà, on passe aux sneakers. Voilà, bisous. Voilà, c'est les petites Converse. C'est les basiques, hein, donc c'est les blanches, parce que j'aime trop les blanches. C'est les basiques. Blanches. En fait, ça se voit, c'est blanc. Je sais pas pourquoi je parle, mais c'est blanc. Voilà, genre, je les ai pris en 40 parce que je fais du 40 à la base. Vu que c'est la date aussi pour l'été, ma mère, elle voulait prendre du 41, 40,5, un truc comme ça, 41,5. À la galerie Lafayette, ils font pas, donc on a pris du 40. Donc, Converse, ça taille grand. Du coup, bah là, je vais vous les essayer pour les montrer. C'est parti. Je tiens à préciser que tous les habits que vous avez vus, ça date de mardi et les Converse, elles datent d'aujourd'hui. En fait, je voulais aussi prendre les Vans hautes, noires, mais en fait, ma mère, elle a dit non. Parce que on allait déjà m'acheter les Converse. Donc, elle a dit non. Voilà. Donc, en gros, je vais vous montrer. Voilà, ça ressemble à ça. C'est des basiques, hein. Des blanches. Voilà, bisous. Donc là, en gros, bah, c'est la fin de cette vidéo. Je vais vous laisser sur mes Converse. J'ai rien mis d'autre. Du coup, bah, voilà, je vous fais plein de gros bisous. En attendant, la prochaine vidéo qui sera dans une semaine. Et si j'ai le temps mardi, bah, je vous en sors une mardi. Voilà. Bisous, bisous.